tu es mon Dieu, oh tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, que Dieu soit loué, nous pouvons prendre place. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Que Dieu soit loué pour nous qui sommes vivants. Amen. La Bible dit que les morts, eux, ne peuvent plus célébrer, mais nous, nous sommes vivants grâce à Dieu. Comme le frère Junior a dit, nouvellement marié, j'ai béni Dieu. Je tiens à remercier, nous tenons à remercier l'Église. Maintenant, il faut faire les nous. Hein. Moi, mon épouse et moi, nous voulons vous remercier pour l'Église, pour votre soutien spirituel, moral et financier, que ça nous a vraiment aidé et nous sommes vraiment reconnaissants que notre Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Donc, sans plus tarder, nous voulons entrer dans la prédication de ce jour. Et pendant que j'étais en train de préparer la prédication, une voix qui m'a dit, pose la question à quelqu'un. Quelqu'un est-il triste? Quelqu'un est-il inquiet ce matin? C'est ça que la voix me disait. Vraiment, la prédication, c'était très difficile de préparer la prédication parce que nous sommes en plein deuil. Hier, on a eu un accident. Et jusqu'à 4 heures du matin, on était à l'hôpital. Il dit, la prédication, là, c'est une prédication vraiment, quand on prépare la prédication dans l'adversité. Mais gloire soit à Dieu, c'est lui qui nous donne la parole, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous guide. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Et Dieu merci parce que le Seigneur a annoncé carrément le thème de ma prédication de ce matin. Le thème de ce matin s'intitule « Les effets de la prière » ou encore « Les résultats de la prière », « Les effets de la prière ». Nous allons lire beaucoup de textes aujourd'hui, nous allons un peu survoler la Bible, beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Nous allons lire d'abord un premier texte qui se trouve dans le livre de Marc, Marc 4, 35 à 41, texte que vous connaissez très bien. Nous lisons. On dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Sur ces textes ici, dans l'autre version des évangiles, à la fin, les disciples disent, « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même la mer et les vents ?» Alléluia. Donc, nous voulons parler des effets de la prière. La Bible nous parle, il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de la prière. Nous allons lire encore un deuxième texte, c'est dans le livre des psaumes, un texte qui est similaire au premier, le psaume 107, verset 28. On dit, dans leur détresse,
Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Si on continue, il se réjouit de ce qui s'était apaisé et l'Éternel les conduisit au port désiré. Si nous continuons encore, je pense que nos versions sont différentes. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Dans les deux textes ici, quand j'ai fait la lecture de ces deux textes, je trouve que c'est vraiment ça se ressemble. Dans les deux cas, on voit des gens qui prient. Lorsque la Bible parle de la prière, on dit aussi les gens crier aussi dans la Bible, c'est aussi prier. C'est crier, crier vers Dieu. Et la Bible a beaucoup de textes qui nous parlent de la prière, qui fait l'appel à la prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus dit, Jésus qui parle, il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, Jésus dit, je le ferai. La Bible dit encore dans Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance. Si je commence au verset 35, d'abord on dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Hébreux 6, 11 nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Nous parlons des effets de la prière. Lorsque nous sommes inquiets, lorsque les choses ne tournent pas en rond, c'est sûr que les gens, parmi les chrétiens, ils se refroidissent souvent, n'est-ce pas? Les gens se refroidissent et puis certains en veulent à Dieu, d'autres sont frustrés et puis on devient vraiment comme des bébés. On ne veut plus rien faire, on ne veut plus servir le Seigneur, on abandonne tout. Et sauf que lorsqu'on nous lisons ces textes, on dit, si tout ce que vous demanderez à mon nom avec... Si vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand toi tu pries et tu ne reçois rien, alléluia, tu te dis, est-ce que ces choses-là sont vraies? Il ne vous arrive pas d'avoir des questions comme ça. Est-ce que Dieu existe? Peut-être que ce n'est pas vrai. Hein? Et tout ça. Mais la Bible, nous allons voir tout au long de ces textes que la prière est efficace et les effets de la prière sont réels. Moi, je crois à la prière. Chaque fois que je vis... je vois les miracles du Seigneur, je vois comment la prière fonctionne et je bénis Dieu. Et le Seigneur veut que chacun de nous aussi puisse vraiment vivre ce que la prière peut faire. Que chacun de nous puisse vraiment être là et puis chaque fois que tu pries, que la prière soit exaucée. La Bible déclare que demander, Dieu veut nous donner, il veut que nous puissions demander, que nous puissions recevoir afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, nous allons voir ensemble, sur la parole de Dieu, nous allons voir comment d'abord Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle suprême, nous allons voir les effets de la prière dans sa vie. Parce que c'est important de prier et de voir l'exaucement de la prière. C'est important de voir que Dieu t'écoute. Parce que la Bible dit, lorsque vous priez, si vous savez qu'il vous écoute, tout ce que vous demandez, croyez, vous les verrez s'accomplir. Mais est-ce que tu sais si Dieu t'écoute? Est-ce que tu pries comme il faut? Il y a aussi une bonne façon de prier, une mauvaise façon de prier. Alléluia. Il faut savoir prier. C'est comme si tu vas... C'est comme si tu ne lis pas les notices. Souvent, les gens ne lisent pas. Quand ils achètent un appareil, dès qu'ils savent quand même comment ouvrir et comment allumer et tout ça, ils prennent les notices et mettent de côté. Mais ils ne prennent pas le temps vraiment de découvrir toutes les autres fonctions et tout ça. Et des fois, peut-être qu'ils utilisent mal cet appareil-là. Et la prière, c'est aussi important pour nous de comprendre pourquoi c'est important de prier. Quels sont les effets de la prière? Alléluia. Parce que nous vivons, demain, on va peut-être mourir et tout ça, mais c'est maintenant que nous sommes en train de vivre. Et un homme de Dieu disait que c'est dangereux de prier et de ne pas recevoir l'exaucement. Parce que tu peux prier des heures et des heures, peut-être que Dieu ne t'écoute même pas. C'est comme si tu vas frapper, tu vas sonner dans une maison où il n'y a personne. Soit tu te dis, ah, mais je vois comme s'il y a quelqu'un qui est en train de bouger là-bas. Là.
Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est pas l'ombre du soleil qui est de l'autre côté. Tu dis, mais je suis venu chez vous à la maison, j'ai sonné, je t'ai vu, mais tu n'as pas ouvert. C'est comme ça aussi. Peut-être que tu dis, ben, dans ta tête, tu penses que tu pries, que Dieu écoute ta prière, mais Dieu n'écoute même pas ta prière. Toi, tu dis, mais Dieu, j'ai prié, Seigneur, je suis fatigué. Et tu commences à décourager d'autres personnes aussi. Ben, nous, on a prié. Il y a des gens qui ont prié. Alléluia. Donc, nous allons voir ensemble les effets de la prière. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ, par exemple, dans notre premier point, nous allons voir donc, les effets de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Les prédicateurs, la plupart des prédicateurs qui passent ici, les mentionnent souvent que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, bien qu'étant Dieu, il opérait sous la puissance du Saint-Esprit comme un homme. Comme un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a rendu capable pour délivrer, pour guérir. Quand il marchait, c'était miracle sur miracle. Guérison. La Bible dit que là, partout où il passait, il y avait des guérisons, il y avait des miracles et tout ça. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Lorsque les gens venaient pour tel problème, il donnait la solution. Et nous aimons bien les répéter souvent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et si nous retournons dans ces textes ici, dans ces textes, le premier texte dans Marc, on voit ici, c'est Jésus et ses disciples. On dit, c'est même jour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Il a d'abord commencé à enseigner. Jésus a enseigné sur la parabole du semeur, l'importance de recevoir la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de la comprendre. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut apporter? La semaine passée, je pense que l'apôtre a prêché sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. L'apôtre a parlé sur la parole de Dieu et son importance. La parole de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu parlait à Moïse, c'était la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Et de la même façon que Dieu nous parle maintenant, c'est toujours sa parole. La différence entre nous et les Moïse, c'est comment l'écoute de cette parole et qu'est-ce qu'on en fait de cette parole-là. Donc, Jésus a enseigné sur beaucoup de paraboles, sur l'importance de garder la parole de Dieu. Et souvent, je le répète souvent ici, lorsqu'on va finir, dès que la prédication est terminée, vous arrivez à la porte, il se peut qu'on te pose la question, quel est le thème de la journée? Tu vas oublier, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi si quelqu'un t'insulte, tu ne vas pas oublier ce qu'il t'a dit? Il m'a dit telle parole, et puis il a mis les accents et tout, il était jusqu'à la fin. Mais le thème de la parole de Dieu, tu oublies. Alléluia. Donc, des fois, les insultes sont plus importantes que la parole de Dieu. Les thèmes de la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes tellement attachés aux choses mauvaises? Si quelqu'un te fait du bien, si il te fait 1 million de bien et il te fait 0,001% de mal, tu vas retenir juste les 0,0001% de mal. Et quand tu le vois, tu vois que le mal. Et donc, ces mêmes jours, Jésus il a enseigné, il a prêché le peuple. Ils étaient contents, ils ont reçu la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Et une fois, le soir, il a dit aux disciples, bon, c'est le soir, nous devons passer de l'autre bord. On dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. On dit que dans la mer, il se leva un grand tourbillon. Alléluia. Vous avez déjà vu un tourbillon? Parce que des fois, quand on dit certaines choses, ça a l'air comme, on ne se fait pas d'image, mais avant de prêcher, j'ai pris le temps d'aller sur YouTube et regarder un peu ce qu'est un tourbillon. Et c'est en train de faire comme ça. Donc, tu peux rentrer là-bas et puis boum. Et j'ai regardé une vidéo, j'ai vu le texte biblique qui est expliqué. Donc, il y a eu un tourbillon dans la mer et le flot s'est jeté dans la barque. C'est-à-dire que l'eau rentrait déjà dans la barque et tout ça. Ce n'était pas le bateau que nous avons dans notre époque ici, là, qui sont sophistiqués. Donc, les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Je ne sais pas si tu es dans ces genres de barques ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si tu te retrouves dans ces tourbillons, dans ta vie, et puis l'eau rentre déjà et tout ça. On dit, les flots, et lui, verset 38, et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait derrière là-bas, sur le coussin tranquille. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alléluia. Ça, c'est ce que souvent les chrétiens disent aussi. « Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de galérer ?»
Mais il est au courant, il est là. On dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Regardez bien comment il y a la suite des éléments et tout ça. On dit, s'étant réveillé, première action, est-ce que Dieu peut dormir? Alléluia. Elle me dit, il ne sommeille, il ne dort. Il était là parce qu'à la fin, nous allons voir pourquoi peut-être il réagissait pas sur le champ. S'étant réveillé, on dit, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns et les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Les vents, les tempêtes de ta vie n'obéissent qu'à une seule personne. Alléluia. À Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit que c'est par la prière que vous allez obtenir toutes choses. Nous allons voir maintenant que le ministère de Jésus, c'était un ministère qui était accompagné des signes, des prodiges, mais c'était les résultats de l'effet de sa vie de prière. Alléluia. Jésus, c'était un homme de prière. On a parlé plusieurs fois de la prière ici dans l'église et tout ça. D'ailleurs, le mois de novembre s'approche, nous allons rentrer en prière. J'ai suivi les extraits de la prédication dimanche passé. L'apôtre a parlé encore de la prière. Mais est-ce que les gens aiment la prière? Alléluia. Alléluia. Comment la prière peut-elle faire avoir des effets sur quelqu'un si la personne n'aime pas la prière? C'est comme si tu dis aux parents, moi j'aime tes enfants, mais toi je ne t'aime pas. Ça ne marche pas. Ou j'aime les parents, je n'aime pas ses enfants. Ça ne marche pas. Donc si nous aimons Dieu et que nous savons que la prière, c'est être en communion avec Dieu, nous allons aimer la prière. Nous étions en train de partager sur les événements du temps de la fin. Et quand nous aimons nos amis, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que dans les derniers jours, il y a des gens qui seront amis de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça là? Quand tu es ami de l'argent, c'est-à-dire que c'est ton ami. Donc, tu te confies en quoi? À ton argent. Tu veux passer du temps avec qui? Avec l'argent. Tu veux faire tout avec l'argent. Et c'est l'argent qui fait en sorte, qui vient aussi troubler beaucoup de gens. C'est ça qui fait que des fois la foi refroidit parce que nous manquons l'argent. La Bible n'est pas contre l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Nous allons voir ça dans les minutes qui suivent. Donc ici, nous voyons Jésus dans cette barque avec les disciples. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque la situation va empirer, ils font quoi? Ils vont prier. Alléluia. Parce qu'ils ont dit, lorsque les flots rentrent, dormaient, ils lui dirent, maître, ils ont fait appel au maître. Alléluia. Ils ont vu le vent, les tempêtes et tout ça. Ils n'ont pas essayé d'abord parce que c'était des pêcheurs aussi. Ils ne se sont pas dit, bon, le maître dort. Nous allons essayer de voir. Comme nous sommes des pêcheurs, on peut peut-être essayer. Pierre, prends, je ne sais pas moi, essaye de bouger un peu. Non. Du coup, leur cœur était attaché au maître. Alléluia. Donc, nous voyons Jésus. Il va, dans ce texte ici, le premier que nous lisons ici, il va faire des actions et c'est par rapport à sa vie de prière. Donc, nous allons voir, nous allons pas tout lire, mais vous connaissez les histoires. Lorsque Jésus a était sur la terre pendant son ministère terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé dans son ministère? La Bible nous dit que il a changé l'eau en vin. Alléluia. Changer l'eau en vin. Bon, ce n'est pas une occasion pour des gens pour aller chercher du vin maintenant. Alléluia. Pour ouvrir ça comme pour aller commencer à boire du vin tout le temps. Mais Jésus a pris les vases de purification, ils ont mis de l'eau dedans et puis il a dit donner aux gens et puis les types ont trouvé que c'était l'eau changée en vin. Donc Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a effectué plusieurs guérisons pendant son ministère. Il a guéri les fils de l'officier royal, il a guéri des lépreux, il a guéri des aveugles, des gens qui ne voyaient pas, vous connaissez l'histoire des Bartimée et tout ça. Il a guéri des malades, des paralytiques. La belle-mère de Pierre, une fois, Jésus est allé chez eux à la maison pendant qu'elle était malade et puis ne pouvait pas les servir. Jésus est venu, Jésus a menacé la fièvre.
Donc Jésus, la Bible dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Et toi aussi, lorsque toi et moi, si nous avons, nous attachons à Dieu et que nous prions, ces signes sont censés accompagner notre ministère. Alléluia. N'est-ce pas que nous chantons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que les signes de Christ se manifestent dans ta vie? Donc, on voit ici Jésus, à part les guérisons, il a ressuscité le fils d'une veuve, Anaïn. Il a ressuscité la fille d'un homme, là, Jaïrus. Il a ressuscité Lazare, sans compter d'autres résurrections qui ne sont pas écrites dans la Bible et qu'il a effectuées. L'histoire de la pêche miraculeuse, quand ils n'arrivaient pas à pêcher, il a dit, jetez les filets là-bas. Ils ont pêché, ils ont eu beaucoup de poissons. À la piscine de Bethesda, ils sont arrivés là-bas. Bethesda, qui signifie maison de la miséricorde. Mais la condition de vie qui était des gens qui sont dans la maison de miséricorde, c'était pitoyable. Jésus est venu, il a guéri un infirme. Arrivé là-bas, il a effectué beaucoup de délivrances. Il a nourri des gens de pain et tout ça. Il a marché sur les eaux sans bateau. Il a fait beaucoup de miracles de guérison. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens maintenant veulent imiter Jésus. Ils veulent faire aussi, nous aussi, on veut faire pareil. Mais la clé de Jésus, c'était quoi? C'était la prière. Alléluia. Nous allons voir rapidement, dans les ministères de Jésus, on dit que Jésus est priant en tout temps. Dans Marc 1, 35, on nous dit tous les matins, pendant qu'il faisait encore sombre. Marc 1, 35, on dit ceci, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc on voit que les effets de la prière, lorsque Jésus commençait à exercer le ministère, lorsqu'il priait pour les malades, c'était parce qu'il avait cette onction, mais parce que c'était un homme de prière. Alléluia. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, si tu veux marcher, voir les guérisons, si tu veux voir les choses débloquées dans ta vie, bien-aimé, tu veux vivre les effets de la prière, si tu veux voir les guérisons, il faut prier. Alléluia. Alléluia. On dit Jésus, pourquoi? Parce que tous les matins, lui, il avait cette routine qu'il avait développée. Il priait. Il priait le matin, tôt. Il contrôlait sa journée. On dit pendant la journée, dans Jean 11, 41-42, là, quand il est allé devant la tombe de Lazare, on dit, ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. En pleine journée, devant la tombe, il a prié. Alléluia. Vous pouvez lire aussi dans Matthieu 14, 22, 23, le soir, Jésus priait. Alléluia. Donc, ce qu'il faisait, s'il déclarait quelque chose, s'il allait quelque part pour dire que ce travail-là, comme Junior a donné un témoignage, ce travail des Seigneurs, c'est pour moi, hein, ce n'était pas parce que tu es allé en entrevue, c'est les résultats des prières. Alléluia. Les effets de la prière. Qu'est-ce que la prière produit par après? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut-tu vivre des miracles? Il faut prier. Il faut prier, chercher la face de Dieu. Donc, la nuit, prier. Dans Luc 6, 12, lorsqu'il devait faire choisir les disciples, dans Luc 6, 12, on dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, lorsqu'il devait choisir les disciples, pour une décision aussi importante comme le choix des disciples, Jésus a passé toute la nuit en prière. Alléluia. Et lorsqu'il a choisi, et que c'était des bons choix, c'était les effets de la prière. Alléluia. C'était les résultats de la prière, de sa prière qu'il fait en secret. Maintenant, c'est rendu qu'il y a des gens, quand ils font des prières, ils montrent à tout le monde que oui, je suis en train de jeûner. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a porté un habit blanc là et tout ça. Et puis, il pense qu'il est au temps de l'Ancien Testament, de Moïse et tout ça. Il a la barbe et tout ça. Il est en blanc. Il dit, bien aimé, je cherche la face de Dieu. Pourquoi tu nous mets ça sur Internet? On va faire quoi avec? Cherche la face de Dieu tout seul. Tu cherches la face de Dieu, mais tu veux qu'on voit ta face? On n'en a pas besoin. Alléluia. Donc,
Ils cherchent Jésus. Toi et moi, lorsque nous prenons des décisions les plus importantes, nous prions rapidement et puis on voit que ça traîne, on dit, bah, je vais prendre, Dieu va me suivre dans ma décision. Et pour les décisions aussi importantes, il a pris. Donc, lorsqu'il choisissait, c'était bien. Ça, des fois, quand tu cherches quelque chose, tu fais toujours des mauvais choix. Tu vas choisir telle chose, tu fais un mauvais choix. Je ne dis pas que tous les excuses te trompent, ça veut dire forcément que tu n'as pas prié. Des fois, Dieu peut te laisser aussi aller comme ça parce qu'il veut te donner une leçon. Mais lorsque tu n'as pas consulté le Seigneur, tu vas faire comme ça, ça ne marche pas. Et Jésus, c'était ça son secret. On dit que dans les moments intenses d'activité, par exemple, si nous regardons dans Luc 5, 15 à 16, on dit, sa renommée s'est répandue de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Quand les gens viennent maintenant nous voir, nous vivons trop la gloire. Oui, comme je disais vendredi, cet homme-là, un prophète millionnaire, quelqu'un est venu lui dire, « Oh prophète, moi je crois en toi. » Lui dit, « Ah, alléluia. » Attends. Lui, il s'est retiré. Et lorsqu'il sortait, et lorsqu'il faisait, c'était à cause de sa vie de prière. Malheureusement, dans les églises, les gens n'aiment pas la prière. Alléluia. Alléluia. On n'aime pas la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, qui fait que tu puisses vraiment t'éloigner de la prière. Nous allons voir ça en avançant. Donc, là, nous voyons Jésus dans les moments intenses d'activité. Lorsqu'il est en pleine activité, il prie. Il prie. Et lorsqu'il fait des miracles, c'est tic au tac. Des fois, il a même pas besoin d'être là. Il dit seulement, vas-y, et ça arrive. Parce que la prière n'a pas de frontières. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Nous voyons dans les cas du Seigneur, c'est sûr que à un moment d'épreuve, il a prié. Sur la croix, il a prié. Et ça, c'est Jésus. Il y a beaucoup de cas, si vous lisez les évangiles, nous allons voir que lorsque le Seigneur s'est présenté, il y avait des miracles, c'était à cause de sa vie de prière. Alléluia. Tu veux être puissant. Tu veux voir la main de Dieu, tu veux être comme Christ, il faut prier. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. C'est désirer passer du temps dans la présence du Seigneur. Et la prière, c'est un exercice spirituel. Je le répète souvent ici. Plus tu commences à le faire, c'est comme quand tu vas au gym. Si tu commences au début, tu vas trouver ça difficile. Mais plus tu le fais, plus tu vas t'habituer. C'est comme quand tu cours. Alléluia. C'est comme quand tu cours. Si tu veux vraiment courir, tu vas courir. Même si tu n'as jamais fait du sport. Alléluia. Tu peux me dire, ben, ça fait un an que je n'ai pas fait du sport. Mais s'il y a un chien qui apparaissait, qui est pas bien aimé, tu vas courir. Alléluia. Tu vas courir. Tu vas oublier que tu as un problème d'estomac ou bien tu as un problème, de, je ne sais pas moi, de... C'est quand tu vas arriver, et mon problème est revenu. Et tu le vois, si tu vois encore il apparaît, tu vas courir. Alléluia. Mais pourquoi tu veux aussi courir comme ça au moment de la prière? Pourquoi tu veux qu'un problème surgisse et tu commences à courir maintenant? Nous, on aime ça, les intercessions. On va te faire jeûner. Oh, ok, c'est bon, jeûne longtemps, tu vas faire comme quand les chiens te poursuivent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, alléluia. Dieu veut que nous puissions vivre chaque jour des miracles. Les miracles ne sont pas loin, ils sont devant nous. Là. Parce que le ciel, ce n'est pas quand tu montes là-bas, tu prends la fusée, puis tu vas au ciel, c'est spirituel. Les miracles sont devant nous. Et lorsque nous prions et que nous déclarons maintenant, et nous sommes devant, nous parlons devant les situations, nous avons des résultats sur le champ. Pourquoi pas? Ce sont les effets de la prière. Tu vas d'abord rencontrer Dieu dans le secret. Ensuite, tu peux aller rencontrer n'importe qui. Et tu vas avoir des résultats. Donc, ça, c'était Jésus, notre modèle suprême. Si nous allons encore les disciples, nous allons voir que les disciples de Jésus, c'était des hommes et des femmes aussi, des prières. Ces gens-là, ils ont prié. Il y a plein de cas dans la Bible. On ne va pas entrer dans le détail, mais vous connaissez ces histoires. Lorsque Pierre et Jean se retrouvent devant cet paralytique-là, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te les donnons. Lève-toi au nom de Jésus, le type s'est levé. Alléluia. Quelqu'un peut dire, mais moi, si je vais faire comme Pierre et Jean, mais est-ce que tu pries? Alléluia. Et lorsque, la Bible, dans Actes 5, 12, 16, on dit qu'il se faisait beaucoup de signes miraculés et des prodiges au milieu du peuple par la main des apôtres. Il lui dit que les gens apportaient des civières, des brancards, et lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrait ces gens-là et puis guérissait. Et lorsque Pierre était emprisonné, un ange est venu pour les délivrer de la prison,
Mais c'était à cause de quoi? De la prière. Alléluia. C'était les effets de la prière. Parce que lorsque Pierre était en prison, l'Église, la Bible dit que l'Église n'arrêtait pas de prier pour lui. Alléluia. Si Pierre est en prison, et on continue à prier pour lui, à combien plus toi et moi, nous devons continuer à prier pour chaque situation. Si nous voulons vivre, voir les effets de la prière dans notre vie, c'est toujours dans les secrets que nous allons voir ces résultats-là. On dit que quand il est sorti, même lui-même, il en revenait pas, comme les Québécois disent. Quand il est arrivé, il est passé, il pensait qu'il était en train de rêver. Et il a dit, oh, mais finalement, je ne rêve pas. Ah, c'est vrai. Et puis, il n'est pas resté là, il est parti, il est allé frapper là-bas pour ouvrir. Même les gens qui priaient aussi, eux aussi, ils étaient surpris. Oh, il est sorti vraiment? Donc, c'est que la prière produit des effets. Alléluia. Continuons à prier. Peut-être que tu pries, tu dis que tu ne vois pas les résultats, mais un jour, tu vas prier, tu vas voir qu'il y a des résultats. Et donc, on voit les disciples. Il y avait aussi un autre magicien là, qu'on appelait Bar-Jésus. Ce type là, je ne sais pas pourquoi il a pris le nom de Jésus, mais Bar-Jésus. Donc, il est barré. C'est Jésus qui est le Seigneur. Alléluia. Ce type là était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait détourner un gouverneur, là, Sergius Paulus, de la foi. Lorsque les apôtres ont vu cela, ils l'ont frappé d'aveuglement. Il y a des gens dans ta vie, dans ta famille, des fois, qui peuvent s'élever pour t'empêcher de progresser ou empêcher ta famille de progresser. Lorsque tu es un homme ou une femme des prières, alléluia, et lorsque tu te lèves, tu peux parler. Dieu arrête, le Seigneur va s'occuper de toi. Mais lorsque tu ne pries pas, ne va pas faire ça, alléluia, parce que tu auras mal au cou pour de vrai le lendemain, alléluia. Et tu ne peux pas aller te présenter comme ça. Lorsque tu vas te présenter, tu sais que dans les secrets, le Seigneur t'a donné l'aval, tu peux aller. Et ce type-là, il y a des gens comme ça qui empêchent les gens d'aller vers la foi. On a ce pouvoir dans le nom de Jésus. On a le pouvoir de faire cela. Et c'est lorsque nous sommes, je le répète encore, lorsque nous sommes à genoux dans la prière, c'est là que nous allons voir les effets de la prière. Alléluia. Si bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas ces effets, c'est parce que dans les secrets, il n'y a pas la prière. Alléluia. Et lorsqu'il n'y a pas la prière, même ta vie, la vie de l'Église est morte. Elle est inactive. Parce que si tu aimes la prière, si tu aimes passer du temps avec le Seigneur, tu vas passer du temps dans son service, tu vas l'aimer et tout ça. Mais lorsqu'on devient, on est refroidi, on dit, ces choses-là, les choses de qui? Les choses du Seigneur. Alléluia. L'œuvre de qui? C'est l'œuvre du Seigneur. Et tout ce que nous faisons pour qui? Pour le Seigneur. Lorsque moi, je commence à m'écarter, moi, j'ai d'autres intérêts. Dieu ne trouve pas son compte aussi. Tu ne peux pas vivre les effets de la prière. On peut dire ça autrement, ce thème, les effets, les résultats lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que dans la prière, nous passons du temps avec le Seigneur. C'est quoi les effets? Lorsque je suis dans la présence du Seigneur, je sors bien. Tu sais, lorsque tu vas dans la présence d'une grande autorité et tout ça, si tu vas dans la présence d'un riche ou bien du président, lorsque tu sors là-bas, tout le monde pense que tu as quelque chose. Hein? Même si on t'a donné 0 centime. Quand tu vas sortir là-bas, tu dis que je n'ai rien. Ils ne vont pas te croire. Hein? Ils vont dire, ah non, il est en train de mentir. Parce que tu étais quelque part où tu étais avec un grand. Alléluia. Lorsque tu passes du temps avec le roi des rois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements qui doivent s'opérer. Et on voit dans la main des disciples, la femme qui avait l'esprit des pitons, qu'on utilisait dans la magie et tout ça, qui donnait des prophéties, qui disait la vérité, mais c'était sous l'influence du malin et tout ça. Lorsque Paul a décelé cela, il a prié, il a chassé l'esprit qui l'a dérangé. Mais ça, c'était parce que Paul, c'était un homme de prière. Alléluia. Ce sont les effets de la prière. Qu'est-ce que la prière peut produire? Combien de choses peuvent arriver dans ta vie que tu es frappé d'aveuglement, tu ne comprends rien. Des choses arrivent, tu ne comprends rien. Tu es là, tu es désespéré et tout ça. Mais lorsque, comme Paul, un homme de prière, après quelques jours, la femme n'arrête pas de dire, ce sont des hommes de Dieu. Il s'est dit, mais non, tiens, ça je pense que c'est trop exagéré. Il regarde et puis il chasse l'esprit. Et puis, il y a une délivrance. Alléluia. Alléluia. Parlons des effets de la prière. Les résultats de la prière, qu'est-ce que la prière, lorsqu'elle est prise au sérieux, qu'est-ce qu'elle peut produire? Ça produit des délivrances. Paul et Silas, ils étaient en prison. Et lorsqu'ils ont commencé à entonner des louanges, on dit qu'ils étaient délivrés. Le mur de la prison était branlé. Vous savez, lorsque nous prions, la prière contrôle l'atmosphère. Alléluia.
Paul et Silas, ils ont prié et du coup, ce n'était pas seulement eux qui étaient délivrés, mais les prisonniers, ça fait trembler tout l'endroit. Lorsque toi, tu pries dans ta chambre, chez toi, à la maison, c'est tous les quartiers qui sont influencés. Lorsque Jésus-Christ passait, la Bible dit que les démons eux-mêmes disaient, non, eux-mêmes ils étaient là en train de dire, mais pourquoi tu viens nous déranger et tout ça, donc sa présence. Et la prière contrôle toutes choses. Là, donc, qu'est-ce qui faisait que les disciples, lorsqu'ils paraissaient devant les hommes, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils puissent avoir des victoires? Lisons, dans Actes 1, 13, nous lirons aussi Actes 2, ce sont des textes que nous connaissons toujours très bien. Dans Actes 1, 13, on dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était, je ne vais pas citer tous les noms et tout ça. Verset 14, on dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ce qui faisait la force des apôtres, c'est parce qu'on dit d'ordinaire. Ils étaient habitués à prier. Alléluia. On n'a pas à se comparer aux apôtres dans le sens où que non, ils sont supérieurs que nous, mais dans le sens où eux, contrairement à nous, ils étaient avec Jésus vraiment physiquement. Alléluia. Ils pouvaient voir un mort ressuscité. C'est quand la dernière fois que toi et moi, nous avons vu un mort ressuscité physiquement comme ça, là. Alléluia. Que tu vas au deuil et puis on dit, ben, là maintenant, on va ressusciter les morts et tout ça. Écartez-vous. Tout le monde regarde et puis on prie et puis la personne se réveille. Je pense que si vous donnez à manger, vous allez dire, est-ce que je vais prendre à manger? Et tout ça. Mais eux, ils ont vécu cela. Mais nous, c'est encore meilleur parce que Christ est en nous. Mais eux, ils ont vu ces choses-là. Et c'est quand la dernière fois tu as vu l'eau changer en vin, à moins qu'on puisse parler des formules chimiques et tout ça. C'est quand la dernière fois tu as vu un aveugle recouvrir la vie directement comme ça, tic au tac, tac, tac. Alléluia. Mais on sait que c'est vrai ces choses-là. Il y a les gens qui les voient, qui les vivent et tout ça. Mais eux, ils étaient là. Mais ces gens-là qui étaient là, ils passaient leur temps d'ordinaire, ils faisaient quoi? Ils priaient. Alléluia. Eux au moins ils pouvaient dire, on a vu, nous avons vu ces choses. Nous avons vu. Vous savez, lorsque nous étions à l'école, on nous parlait des les livres, surtout les livres de lecture français, les livres des Français de lecture et tout ça, où on parle de Camarala, il a pris la pirogue et tout ça. Ça a l'air comme, la pirogue. Lorsque nous étions à Brazzaville et puis la guerre a commencé à Brazzaville, il fallait retourner à Kinshasa, on a pris une pirogue. Alléluia. J'ai dit, c'est ça une pirogue? Quand nous étions en bas Congo, là-bas, quand tu es en haut, tu vois la pirogue en bas. Ça a l'air d'un morceau de bois. Tu dis, tu crois que le fleuve, il est énorme. Tu dis, vous allez traverser dans ces morceaux de bois? C'est ça la pirogue. Mais lorsque tu n'as jamais été dans une pirogue, tu as dit, ah oui, la pirogue, ils savent pas gagner et tout ça. Mais lorsque tu es à côté, le fleuve est juste là à côté de toi, tu vas voir. Mais tu vois, lorsque tu as vécu ces choses-là, tu te dis, franchement, je n'aimerais pas faire ça. Hein. Mais celui qui n'a jamais fait, il dit, ah oui, la pirogue, ça marche et tout ça. Donc les apôtres, ils étaient là, en personne, comme moi j'étais dans la pirogue. Et c'est là qu'on voyait aussi des gens qui étaient tués, des militaires là-bas et tout ça. Il y a là des coups de feu. C'est facile de regarder ça dans des films. Hein. Tu regardes et tout ça. Ah waouh, là là. Oh, vraiment, dans ces pays de guerre. Mais lorsque tu n'as jamais été dans un endroit où il y a la guerre, c'est difficile de comprendre, au fait. Je me souviens quand il y avait pillage à Kinshasa, les militaires sont rentrés chez nous. Ils ont dit, ils sont rentrés, ma tante disait, pleurez. La tante a dit, pleurez. Quand on était là à la porte, on a essayé de pleurer. Quand on a entendu des bottes, on ne pleurait plus. On a couru. Alléluia. Jusqu'à la chambre. Quand on vous dit, ne regardez pas. C'est facile dans les films. Alléluia. Mais ces disciples-là, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu cela, mais eux, ils priaient parce qu'ils savaient que les effets de la prière, ce qu'on voit devant là dépend du temps qu'on consacre à cette prière-là. Alléluia. Quelqu'un veut vivre des miracles. Quelqu'un veut voir Dieu agir dans sa vie. Mais bien aimé, il faut s'investir dans la prière. La prière, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement quand tu t'enfermes pendant 2 heures, 3 heures dans la maison, mais quand tu marches, tu pries aussi. Quand tu es là, tu écoutes la louange, tu es en train de prier aussi. S'il n'y a pas une forme, la Bible n'a pas une forme définie pour la prière. Tu veux prier comme tu veux. Tu peux prier couché, tu peux prier debout, tu peux prier à haute voix, tu peux prier à basse voix, tu peux prier. Il y a des gens qui prient, sa main sont en train de pleurer, comme tu veux. Tu peux prier. Aussi longtemps que tu fais selon la volonté de Dieu, Dieu t'écoute.
Nous sommes dans des pays où nous sommes, c'est très chargé et tout ça. Peut-être que tu vas, tu sors le matin, tu rentres à minuit. Mais prie pendant ton parcours. Peut-être au travail, tu n'auras pas le temps de prier. Quand tu es en train de faire des tâches et tout ça, des fois, tu essaies de te concentrer. Des fois, c'est difficile de se concentrer tout ça. Tu as des collègues à qui tu parles, tu rentres le soir, tu es fatigué. Mais si pendant ton trajet, tu as pris le temps de prier, tu as prié. Alléluia. Alléluia. C'est important. Si nous voulons voir les résultats, si nous voulons vivre les effets de la prière, il faut passer du temps dans cette prière-là. En secret. Est-ce que nous sommes là cet après-midi? Alléluia. Et on voit les disciples, ils priaient. C'était des hommes et des femmes qui priaient. D'ailleurs, dans Actes 2, 42 à 47, on dit qu'ils persévéraient dans les prières. Les prières, ils disaient, non, nous, on ne veut pas abandonner la prière. Nous, on ne veut pas abandonner la prière et l'enseignement. Ils aimaient ça. Je ne sais pas si tu aimes la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut le désirer. Pour dire, Seigneur, j'ai vraiment envie de prier, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Et tout est mis en place pour que nous puissions prier. Tu as toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses prier. Maintenant, qui ne veut pas prier? Est-ce que c'est le diable toujours? On ne doit pas toujours mettre tous derrière sur le diable. Alléluia. C'est toi qui dois avoir ta volonté aussi. Si on te dit, va là-bas, traverse traverse et puis c'est le feu déjà, le feu vert et puis tu traverses pas et puis quand c'est rouge tu traverses, tu dis ben moi je j'avais pas de volonté et puis on va te donner le ticket, tu vas l'avoir. Il faut avoir la volonté, il faut persévérer, il faut le vouloir. Quand on veut on peut. Quand il y a la tempête, quand il y a les verglas, quand on dit aux gens ne sortez pas, mais quand tu as tes courses, tu prends la voiture n'est-ce pas, tu sors, tu conduis doucement et puis tu fais attention et tout ça. Mais quand tu ne veux pas partir, tu vas dire, ah non, mais il y a les verglas, je ne sais pas comment je vais faire me rendre. Mais quand tu as tes propres courses, tu vas faire quoi? Tu vas t'arranger pour aller sortir dans les verglas. Alléluia. C'est pareil pour la prière. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux prier, c'est à toi aussi. Parce que Dieu, j'aime bien la chanson de Gaël qui dit, il a laissé les ciels ouverts. Il a laissé les ciels ouverts pour que nous puissions contempler, pour que nous puissions prier, pour que la prière puisse monter. Mais jusqu'à présent, on ne prie pas. La Bible dit que vous n'avez pas encore prié jusqu'à présent. Alléluia. Donc, nous venons à la vie des disciples. Si nous tournons aussi dans Apocalypse 8, 3. Nous tendons vers la fin. Apocalypse 8, 3, où on parle des événements du temps de la fin et tout ça, l'ouverture des sceaux. Et on voit aussi là-bas qu'est-ce que les prières font. Apocalypse 8, 3, on dit ceci. Et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel avec un encensoir en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Alléluia. Est-ce que ta prière se rend sur cet autel-là? Parce qu'on prend la prière, on l'ajoute avec le parfum et puis on offre et puis ça c'est des éclats, c'est des résultats qui apparaissent. Et dans l'Ancien Testament, que pourrons-nous dire les effets de la prière? Moïse, on a vu comment Dieu s'est manifesté dans sa vie, dans son ministère, quand il était devant Pharaon, quand il était devant les gens, mais parce que c'était un homme qui passait du temps avec Dieu dans les secrets. Lorsque nous voyons Anne, nous connaissons l'histoire de Anne, lorsque son fils Samuel est venu, ils n'ont pas dit, oh, ben, il est venu juste comme sur hasard, mais les gens qui connaissent Anne savent comment il a passé du temps. C'était les effets, les résultats de la prière. Combien de temps ça a pris? On ne sait pas, mais on sait que ça a pris. Daniel même, lorsque on a décidé de les tuer et tout ça, il a appelé ses compagnons, ils ont dit, nous allons prier. Ils ont prié Dieu les soirs, Dieu les a révélés les secrets. Alléluia. Quand je parle de Daniel, c'était un gouverneur. Un moment donné, bien aimé, il va devenir gouverneur et tout ça. Un homme important, un homme occupé. Alléluia. Mais il savait que ce qui était important, c'était la prière. Alléluia. Et lorsque Dieu les bénissait. Autrefois, quand j'ai grandi, je disais, mais pourquoi? J'avais l'impression que les gens de l'Ancien Testament, Dieu leur faisait vraiment une grande faveur, qu'eux, ils ne priaient pas, Dieu leur donnait. Mais non, au fond, c'était des hommes et des femmes qui priaient. Alléluia. Parce que ça prend des sacrifices. Il faut se sacrifier.
Si on veut voir la main de Dieu, si on veut vivre les effets de la prière, faut se sacrifier. Faut se dire, bon, à 20h, j'aime bien regarder ma série télévisée, là, je vais les sacrifier. Va là-bas, je vais essayer de me concentrer. Ça ne va pas être facile, c'est normal. Mais si tu veux vraiment chercher la face de Dieu, ça prend du temps comme ça. Élie, lorsque Élie est allé sur le mont Carmel, c'est pas parce qu'il est juste apparu là sur le mont Carmel, mais lisez bien sa vie, vous allez voir que c'était un homme de prière. Il priait. Alléluia. Donc, les obstacles, qu'est-ce qui nous empêche de vivre les effets de la prière? C'est aussi parce que, dans un premier temps, nous ne voyons pas l'importance de la prière. Comme je l'ai dit, comme ça, d'autres personnes peuvent dire, ah ben là, nous savons que la prière est importante. Si la prière est importante, nous allons vraiment prendre la prière au sérieux. Et si j'ai vraiment envie de prier, que je n'arrive pas, toutes les dispositions sont là à ma portée. L'Église, d'ailleurs, on a des journées de prière personnelles où tu viens, tu pries pour toi et pour ta famille. On a des journées où on prie pour les autres. Lorsque nous venons prier pour les autres, c'est aussi un travail que nous faisons devant les seigneurs. Il y a une rémunération qui est attachée. Et il y a des journées de prière. Il y a tout est devant nous. Alléluia. Les effets de la prière et tout ça. On prie, on voit le résultat du Seigneur, on voit comment Dieu agit et tout ça. Des fois, c'est ça, parce que le manque de considération de la prière, c'est aussi, lorsque nous négligeons la prière, c'est parce que nous avons, notre considération vers le Seigneur aussi est faible. Alléluia. Disons-nous la vérité. Parce que si on sait que Dieu aime la prière, comme chez nous, les enfants, lorsque nous grandissons, on sait que les papas n'aiment pas ça, maman n'aime pas ça, on sait qu'il aime bien qu'on ne touche pas ses affaires. On fait attention par rapport à la personne. Lorsqu'on sait que Dieu aime la prière, Dieu aime qu'on vient devant lui et que nous ne venons pas, c'est comme si tu as quelqu'un, il y a des rendez-vous qu'il a, toi tu ne viens pas au rendez-vous. Ça montre que nous manquons du sérieux. Alléluia. Faut se dire la vérité. Alléluia. Nous manquons le sérieux. Pourquoi? Parce que nous laissons les choses, nous laissons les problèmes prendre les dessus sur nous. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si vous êtes chargé et fatigué, venez. Moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu sais, à la maison, tu peux avoir de la misère à prier, mais quand tu viens journée la prière comme ça, mercredi comme ça, si tu manques des mots, juste couche-toi par terre et puis dis, Seigneur, regarde-moi. Alléluia. Je ne sais pas quoi dire. Il te regarde. Celui qui dirige la prière va dire, mais Seigneur, pourquoi elle est endormie là? C'est ce qui s'est passé avec Anne et avec le prophète Élie. Le prophète a dit, cette femme ici, chaque jour, est-ce que tu es ivre et tout ça? Oh non, mon Seigneur et tout ça. Il a dit, ok, va. Là, dès que le jour où Élie lui a dit, va, elle est rentrée cette journée-là, regardez le texte. Elle a mangé, hein? Elle ne mangeait pas. Cette journée-là, elle a mangé. Elle est rentrée et tout ça. Et Dieu, après, Samuel, un grand prophète, lui, il ne laissait tomber aucune parole du Seigneur par terre. Il était vraiment un homme de prière aussi. Donc la prière produit aussi des hommes de prière. Lorsque Anne a enfanté Samuel, c'était aussi un homme de prière. Donc, on voit des fois pourquoi nous ne vivons pas les effets de la prière, pourquoi nous n'arrivons pas à prier, parce que nous manquons de ferveur, nous manquons d'intérêt. C'est très difficile la prière et tout. Des fois parce qu'on recherche notre intérêt personnel aussi. Des fois parce que il y a un problème qui est non réglé aussi, c'est lourd. Si on a un péché qui est non réglé, des fois c'est lourd, on a de la misère à le faire. Des fois aussi, c'est parce que le monde commence à prendre trop l'emprise sur nous. Alléluia. Nous allons lire dans ces textes dans 2 Timothée 3, 1 à 4. Nous avons lu ça ce vendredi, ici nous allons les relire encore aujourd'hui, puis nous allons prier. De Timothée 3, 1 à 4, nous lisons, on dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Non, dans un premier temps, on dit que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles vont toujours nous empêcher à nous concentrer dans la prière. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de qu'est-ce que tu traverses en ces moments. Je ne sais pas comment tu es désespéré. Moi, je n'ai aucune solution pour toi. Mais je te présente, c'est lui qui a la solution pour toi. Alléluia. C'est Christ. C'est Christ qui est la solution et c'est lui l'homme de la prière. C'est lui qui dit, la Bible dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes, toutes les femmes viendront vers toi.
Faut que nous allions au devant de lui, lui qui écoute la prière. Moi, je crois à la prière, j'ai vu la prière, j'ai vu comment la prière a produit des effets, même pendant les préparations du mariage, même avant, même pendant notre semaine de noces. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons prié aussi, nous avons vu la main de Dieu. Et la prière, lorsque je parle de la prière, je ne parle pas de choses que je ne connais pas, je parle de quelque chose que je vois, j'expérimente. Maintenant, ça dépend comment Dieu exauce la prière. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut être tic au tac. Des fois, ça peut prendre quelques jours. C'est sûr que quand tu vis une situation difficile sur le moment, quand tu pries, tu veux que Dieu agisse directement aussi. Mais Dieu a ses raisons. Des fois aussi, Dieu peut provoquer une situation juste pour que tu puisses revenir vers lui, au fait. Et dès que tu vas voir, tu reviens vers lui et puis tu vois, la situation se règle. Tu dis, ah ok, Dieu voulait attirer ton attention parce que peut-être qu'il y a un problème plus dangereux qui se prépare contre ta vie devant. Il veut que tu sois concentré. Donc, on dit que dans les derniers jours, les gens, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Si, l'égoïsme, c'est envers Dieu aussi, parce qu'on veut pas passer du temps dans la prière. Comment on va vivre les effets de la prière? L'égoïsme, Dieu dit, Seigneur, oui, tu me donnes ton temps, mais moi, je vais prendre plus de temps pour moi. Alléluia. Avant que je devienne égoïste envers mon frère et ma soeur, je suis d'abord égoïste envers Dieu. Tu me donnes la force. Bon, ok, c'est bon. Merci, c'est bien gentil de ta part. Mais moi, je vais utiliser la force beaucoup plus pour mes affaires à moi. Tu me donnes l'argent, c'est bon. Mais moi, je vais d'abord utiliser pour mes besoins à moi. Toi, je vais voir ton cas après, même que c'est toi qui me les donnes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me donnes les jambes pour me promener, c'est bien beau. Mais dans ton service, ok, toi, je suis occupé. Mais le jour où tu as un problème avec tes jambes, tu reviens, oh Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Et quand on ne te guérit pas, tu dis, oh, pourquoi Dieu ne guérit pas? Tu nous fais entrer des longues prières, bien-aimés, des prières et des prières, des jeunes et jeunes et prières. C'est pour ça, les intercesseurs, vous devez avoir le discernement. Alléluia. Et les situations, il faut dire aux gens, mais va te réconcilier avec le Seigneur. Tu dis, Dieu, tu devais faire de longues prières pour rien. Et on dit, ils seront égoïstes. Amis de l'argent. C'est comme on s'était dit. J'ai lisé ces textes-là, je les disais toujours ami de l'argent. Mais quand je me suis assis vendredi, j'ai dit, mais quand tu es ami de l'argent, là, Jésus-Christ a dit, il ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'il fait son maître. Tandis que les amis connaissent les secrets de leurs amis, n'est-ce pas, alléluia? Quand tu deviens un ami, l'ami de l'argent, toi et l'argent, là, vous êtes des amis. Tu passes ton temps avec l'argent. Tout ce que tu fais, tu veux toujours chercher l'argent. Deviens aussi ami du Seigneur, alléluia. Passe du temps avec lui dans la prière. Parce que la Bible dit que l'amour, l'argent n'a pas le problème, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alléluia. Pour qu'une plante puisse se tenir, il faut qu'une racine, n'est-ce pas? Lorsque tu commences à aimer trop l'argent, là, et au détriment de l'œuvre de Dieu, au détriment de ta propre vie spirituelle, ta vie, ta dévotion, je ne parle même pas des services d'abord, de toi-même d'abord, toi et ton Dieu. Lorsque tu es très loin de ça et que tu... C'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est ça. C'est toujours lié au problème de l'argent, à la fin. Parce que sans argent, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, moi aussi, j'aime l'argent. Alléluia. Parce que ça aide à faire toutes les dépenses que tu veux. Alléluia. Tu es bien. Quand tu as l'argent, tu es bien, n'est-ce pas? Tu es à l'aise un peu. Tu vois, même tu respires bien ces journées-là. Quand tu pries, tu rends grâce au Seigneur comme il faut. Et quand tu n'as pas l'argent, quand tu lèves tes mains, c'est lourd. Hein? Est-ce que tu as des problèmes avec tes épaules? Non, pasteur, je suis malade. Tu n'es pas malade. Alléluia. Donc, il faut rire un peu de ces choses-là. Alléluia. Parce que le Seigneur, tout appartient au Seigneur. L'argent lui appartient. Et lorsque on devient, l'amour de l'argent va nous écarter de l'œuvre du Seigneur. Chaque fois que tu vas prier, tu vas penser à l'argent. C'est pour ça que d'autres personnes ont commencé à faire des ministères, des prospérités, tout ça. Tout ça pour prier l'argent. Lorsque je regarde Jésus, on dit, il guérissait les malades, il ne demandait rien. Il délivrait, il ne demandait rien. Il faisait ça, il ne demandait rien. Il ne faut pas aller acheter des miracles, alléluia. Peut-être que tu auras peut-être un miracle diabolique, tu ne sais pas, qui pourra compliquer ta vie plus tard. Nous allons rapidement vers la fin, on dit, ils seront fanfarons. Je demandais c'est quoi la signification de mon fanfaron, quelqu'un m'avait expliqué pour dire que, je n'avais pas de dictionnaire devant moi, quelqu'un qui, quand il fait quelque chose pour toi, il veut que toute la planète le sache, n'est-ce pas? Ah oui, un super vantard comme le pasteur a dit. Donc, il y a des gens à qui il ne faut pas demander les services. Hein, parce que ça sera sur les statuts WhatsApp. Je l'ai aidé, Facebook et tout ça. Vaut mieux des fois rester là, te contenter avec le peu que tu as. Alléluia. Il va dire, ah, mais tu vois cette veste-là, c'est moi. Donc, quand tu marches là-bas, toi, tu fais... Aussi, il faut être humble quand tu demandes quelque chose. Parce que tu vas faire des filles, tout le monde va savoir que c'est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, les gens seront des fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats. L'ingratitude, c'est vraiment mauvais. Il y en a dans l'église, des gens qui sont ingrats, d'abord envers les seigneurs. Et le Seigneur qui donne le souffle, qui donne la santé. La santé est très importante. Hein. Des fois, quand on dit, bien aimé, rendons grâce au Seigneur, dimanche, comme ça, des fois, nous manquons les paroles. Tu commences un peu, oh Seigneur, je te loue, et puis, je ne sais pas si tu somnoles, je ne sais pas, mais tu es là. Pense à quand tu es malade et que tu prends les comprimés, ça ne fait rien. Et tu passes 3 heures, 4 heures, les gens sont dit, va prendre les Tylenol. C'est là que tu vas voir que la santé, tu vas dire, Seigneur, merci pour la santé. Tu vas rendre grâce à Dieu. Et on dit, ils seront irréligieux. Déjà, nous sommes au Québec, on le voit déjà. Ils n'aiment pas tout ce qui touche la religion et tout ça. Bon, on va associer ça au Seigneur. Donc, ils sont aussi insensibles. Il y a des gens qui sont aussi insensibles, même dans l'église de Dieu. Alléluia. On dit, on a veillé des prières les 25 à 23 heures. Toi, tu es insensible. Toi, tu dis, mais moi, je ne viendrai pas. L'insensibilité envers qui? Envers le Seigneur d'abord. Parce que tu vas aller chercher la face de qui? La face du Seigneur. Alléluia. Qui va être béni là-bas? Ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas qui, c'est toi. Mais quand tu deviens insensible, on dit déloyaux, ils ne sont plus loyaux. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Nous aimons beaucoup faire beaucoup de choses, les plaisirs ce n'est pas mauvais, mais on aime beaucoup faire les choses plus que Dieu. Et mais lorsque nous sommes comme ça, comment pouvons-nous vivre la main de Dieu? Comment nous pouvons voir la prière et ses effets dans notre vie? Parce que comment lorsque tu sors, tu dis quelque chose, tu déclares, ça arrive. Parce qu'il y a la foi et les actes de foi. Lorsque j'ai déjà prié et que ma foi est grande, face à une situation, je vais déclarer. Mais c'est les résultats de ma vie, de la prière. Ce sont les résultats de la prière. Ce sont les effets de la prière. Lorsque les hommes et les femmes de la Bible qui ont expérimenté la puissance de Dieu, ils apparaissaient devant les situations et tout ça, ils déclaraient. C'est parce que dans les secrets, c'était des hommes et des femmes qui aimaient passer du temps avec les seigneurs. On dit que dans les derniers jours, les gens vont devenir insensibles. D'ailleurs, on le voit. Des fois, on dit, bien aimé, on a prêché. Celui qui a la difficulté pour telle chose, bien aimé, lève-toi, avance. On devient insensible. Tu as un problème, tu deviens insensible. Alléluia. Tu dis que je vais prier à la maison. Et, alléluia. Et tu rentres à la maison et tu ne pries même pas. Parce que tu vas sortir et puis tu vas faire des courses.